مرحبا بضيوفنا الكرام. تمشينا مع توجيهات ورؤيه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تنظم جامعه كلمة 845 على اراده الجامعات الجزائريه نشاط في اطار الاحتفال بتنظيم الاسبوع الجامعي للذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي عفوا. الهدف من هذا اليوم الدراسي والتخصيصي هو التعريف بهذا المجال، يعني الناس كامل تهضر على الشات جي بي تي، تهضر على الذكاء الاصطناعي، لكن كاين بقات يعني مفاهيم غير معروفه عند الطلبه وحتى عند بعض الاساتذه. دونك الهدف من هذا اليوم هو التعريف بالذكاء الاصطناعي بمجالات يعني تطبيق هذا الذكاء الاصطناعي، وخاصه يعني دونك الاستهداف، وكذلك راح نعطيو يعني نظره على استعمال الذكاء الاصطناعي في خلق مشاريع مبتكره ومؤسسات ناشئه. اليوم كاين معنا اساتذه من الاختصاص، معنا دكتوره شمس النهار بن شريط، وكذلك الاستاذ دكتور الناس السمير، اللي هم اساتذه مختصين في الذكاء الاصطناعي لكن يشاركوا معنا تجربتهم ويعرفون على هذا المجال، وكذلك راح نشاركوا طلبتنا وكذلك اللي يتابعونا على امواج راديو جامعه كلمة الاكسبيريونس او تجربه الطالب جامعي مسجل في الماستر انفورماتيك اللي عنده يعني خبره كبيره في الذكاء الاصطناعي ويستعمل يعني في يوميا في مشاريعه. دونك بدون اطاله تبدا معنا الاستاذه شمس نهار بن شريط، راح تقدم لنا يعني محاضره حول الذكاء الاصطناعي لي زوريجين دي زابليكاسيون، يعني مصدر وتطبيقات. شكرا. تفضلي. الله يخليك استاذه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. Voilà, regardez l'activité labiale et de sa vidéo.
on a carrément extrait toute activité labiale et tout le message a été extrait de la vidéo de l'acteur qui se trouve à ma droite. Et il a été fusionné avec la vidéo originale lorsque le président était en train de présenter carrément un autre discours. Donc cette vidéo elle est vraiment très célèbre. C'est elle qui a en fait fait un petit peu de la publicité au replay. Ça c'est concernant la première. Donc parmi aussi les applications qui ont marqué le monde, il y a les créations qui ont marqué le monde ces dernières années, c'est la création d'une humanoïde Ameca. Ameca, c'est un humanoïde qui a des émotions pratiquement, il présente des émotions pratiquement, où il n'y a pratiquement aucune différence avec l'être humain. Les mouvements de la main qui sont très flexibles, elle parle plusieurs langues et elle a la possibilité de discuter en plusieurs langues avec plusieurs personnes en même temps et aborder des discussions très complexes. Donc ici, c'est la présentation de Ameca, je pense, au Canada, lorsqu'elle a été mise en public. Et il y a pas mal de personnes qui sont en train de discuter avec elle. Elle répond, elle aborde des sujets, elle fait des mouvements avec la main très simple et très flexible. Donc ici, il demande plusieurs exercices avec la main. Donc les mouvements de la main sont vraiment époustouflants parce qu'elle fait bouger la main comme on ne sent pas que c'est un robot qui bouge la main. Elle va lui faire des exercices. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir des robots qui font bouger la main de cette manière. Voilà, le suivi aussi des objets, ça pratiquement ça n'existait pas auparavant. Donc c'est une révolution au niveau de l'IA. Elle aborde également des discussions très complexes avec ses interlocuteurs. Tout à l'heure, quelqu'un va lui demander de parler en chinois. Elle va lui répondre gentiment. Et elle va lui dire qu'elle connaît le chinois, mais aujourd'hui elle est programmée pour parler en anglais. Une autre innovation de l'IA, voilà, c'est l'atterrissage du robot Persévérance sur la planète Mars, la planète rouge. Là, c'est les premières photos qui ont été envoyées. Le robot a été envoyé, c'est un robot hyper intelligent. Il a été envoyé en 2020. Il a pris un voyage de 7 mois. Et c'est en 2020 qu'il a atterri sur la planète Mars. Un atterrissage qui était très difficile, très délicat. Le robot, il est intelligent, doté de beaucoup de capteurs, plusieurs caméras. Et c'est le premier robot qui a un caractère biologique. Donc il est parti sur cette planète pour faire des extraits du sable, de la terre, etc. pour des recherches biologiques. Donc il se déplace facilement sur la planète Mars parce qu'ils lui ont déjà intégré auparavant lorsqu'il était sur Terre, ils lui ont déjà intégré des maps de la planète Mars et donc il est en train de faire une comparaison avec les maps qu'il a déjà appris et pour suivre le schéma et faire des photographies d'endroits bien précis pour lesquels il a été déjà programmé. Doté de beaucoup de caméras, parmi les photos qu'il a envoyées en premier, c'était celle qu'il a prise de lui-même, donc il est très intelligent, c'est quand même un laboratoire dedans. Donc il fait des prélèvements de la terre, du sable, des différentes parties qu'on va voir au niveau de la planète, pour les transporter à son retour en 2030 sur Terre pour des analyses, pour voir s'il y a si la planète peut être préparée pour une autre visite ou pour que les êtres humains puissent y vivre. Donc la dernière innovation, c'est celle qu'il fait
chat GPT. C'est carrément, c'est une application, mais c'est une application, mais c'est en fait un ordinateur hyper intelligent qui a été carrément, on lui a appris des terras de données sur toutes les disciplines. Donc il peut vous répondre sur n'importe quelle question, il peut vous proposer des solutions, faire des dissertations. Donc tout ce que vous pouvez imaginer peut être fait par ChatGPT. Donc à présent, dans certains pays comme en France par exemple, ils ont déjà interdit aux lycées et aux établissements parce les étudiants sont en train de tricher en utilisant le ChatGPT, les devoirs, les examens, etc. Donc certains établissements commencent déjà à l'interdire. Donc l'IA dans le quotidien, on va un petit peu parler de l'IA dans notre quotidien. Donc l'IA, pratiquement, si on va essayer de revoir quels sont les appareils que nous utilisons chaque jour, sûrement vous allez dire nous sommes en train d'utiliser que des smartphones, mais nos smartphones sont tout le temps connectés avec tout. Parfois connectés avec des appareils à la maison, avec le téléviseur, avec d'autres appareils. Maintenant les maisons sont intelligentes, donc on peut même les connecter à tout ce qui est électroménager, etc., les téléviseurs. Voilà, donc l'IA, elle a envoyé notre vie par le biais des appareils et des applications qui sont devenues indispensables. On ne peut plus s'en passer de ces appareils-là. À la maison, par exemple, les maisons qu'on a maintenant sont connectées à beaucoup d'appareils intelligents. Donc la machine intelligente, elle gère notre vie au sein de la maison par le contrôle de la sécurité, la préparation des repas, le nettoyage, etc. Également, lorsqu'on sort de notre maison pour aller au travail, donc l'IA est aussi présente dans les moyens de transport, les autoroutes, les véhicules qui sont devenus intelligents, les autoroutes. L'autoroute elle-même est intelligente, la télésurveillance des autoroutes, les parkings, etc. Au niveau du travail aussi, dans tous les établissements, les entreprises, les usines sont gérées également par des machines pour la fabrication de produits, les grandes surfaces, les écoles maintenant, on est pratiquement vers l'ère de l'IA, on est en train de s'en débarrasser des livres, donc pour utiliser les tablettes, pour se connecter tous à travers les appareils intelligents. On va maintenant parler un petit peu de l'origine de l'intelligence artificielle. La première personne qui a créé ce mot, qui a donné naissance au mot intelligence artificielle, c'est M. McCarthy, dans une conférence qu'il a organisée en 1955. L'intelligence artificielle, c'est une association de deux mots. Le mot intelligence qui est généralement spécifique à l'être humain, et le mot artificiel qui veut dire la machine. Donc il est important de définir, puisqu'on parle d'intelligence et on parle d'artificiel, il est important de définir c'est quoi l'intelligence. L'intelligence, elle désigne le potentiel des capacités mentales, cognitives d'un individu, permettant donc de résoudre des problèmes et de s'adapter à son environnement. Donc il y a ce qu'on appelle, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on a appris beaucoup de choses, on peut s'adapter à n'importe quelle situation, que ce soit un problème ou une situation dans un endroit quelconque. L'intelligence artificielle, c'est en fait essayer de copier ce qui existe déjà chez l'être humain. Donc, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes qu'on va exécuter par la suite dans un environnement dynamique qui permettra par la suite à la machine donc, de penser et d'agir comme l'être humain. Cela dit, donc, la machine va avoir, si elle devient intelligente, donc elle va devoir avoir la capacité d'apprentissage et d'adaptation, et également la résolution des problèmes. Maintenant, puisqu'on parle d'intelligence,
on est arrivé à créer cette, à intégrer cette intelligence chez, au niveau de la machine. Revenons en arrière pour voir quelle est la source ou l'origine de l'intelligence chez l'être humain. Donc, bien sûr, c'est le cerveau qui est la source de l'intelligence, qui est constitué d'un ensemble, bien sûr, de petites cellules connectées entre elles qui transmet l'influx nerveux, responsable de toutes les actions, que ce soit mécanique ou action de réflexion. Alors, ce réseau, il est constitué à la base de ce qu'on appelle les neurones biologiques. Et donc, voilà la source réelle, la source principale de l'intelligence, c'est cette petite cellule nerveuse qui s'appelle le neurone. Alors, en se basant sur cette idée-là et en comprenant comment fonctionne le neurone biologique, les chercheurs en 1943, McCullough et Fitz, ont trouvé comment modéliser ce neurone biologique mathématiquement ou matériellement aussi. Donc, ils ont donc créé le premier neurone qui s'appelle le neurone le perceptron. Par la suite, après quelques années, donc ça c'était juste un neurone, après quelques années, ils ont essayé de concevoir un réseau de ce perceptron et ils l'ont appelé le perceptron multibouche. Bon, pour créer une machine intelligente, il est important de mettre en tête qu'il y a deux facteurs importants pour créer cette machine. C'est le facteur d'apprentissage et bien sûr les données. On est à l'ère du big data. Donc, une grande révolution au niveau de l'apprentissage et des big data qui a été créée par les nouvelles technologies, bien, qui a été en fait boostée par les nouvelles technologies. Alors, concernant les data qui étaient autrefois des bases de données, maintenant c'est devenu big data, tout ça c'est grâce à la disponibilité de l'information, grâce à l'Internet, grâce aux images et sons, aux vidéos, et les terrains de texte et des emails, etc. Tout ça est récolté et par la suite intégré au niveau d'une machine pour qu'elle puisse apprendre beaucoup de choses sur l'être humain. L'apprentissage également a pris un grand saut grâce aux nouvelles technologies. On est passé de ce qu'on appelle l'apprentissage de machine learning, l'apprentissage machine, au deep learning. Donc le mot deep a été rajouté à l'apprentissage. On va voir par la suite quelle est la différence entre les deux. Avant ça, on va un petit peu classer l'IA avec le machine learning et le deep learning. Il est clair que le deep learning, c'est une... Donc le deep learning, il fait partie du machine learning et la discipline MERC, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Alors si on va revenir en arrière dans l'histoire, donc au début de l'ère technologique, c'était, on appelait toutes les applications qu'on faisait, c'était de l'IA. On appelait ça, toute application, tout traitement qu'on fait avec la machine, on l'appelait l'intelligence artificielle. À partir du début des années 80 vers 2010, est née une nouvelle appellation aux applications en rapport avec l'apprentissage de la machine, le machine learning. C'est l'ère de la florescence du machine learning. Et à partir de 2010-2012, c'est là où il y a eu la création d'une nouvelle appellation, d'une nouvelle technologie qui s'appelle le deep. Pour comprendre un petit peu la différence entre le machine learning et le deep learning, il faut définir c'est quoi machine learning. Machine learning consiste à amener les ordinateurs à apprendre et à agir comme les êtres humains, et bien sûr améliorer leur apprentissage de manière autonome en se nourrissant bien sûr des données. Plus on a de données, mieux c'est et la machine sera de plus en plus intelligente. Alors, donc, ainsi, pour créer le deep learning, on a utilisé carrément les algorithmes du machine learning. On leur a ajouté une quantité énorme de données qu'on vient d'appeler le big data. Et bien sûr, avec des processeurs très puissants, donc grâce à la création, à la disponibilité des Tensor Processing Units et les GPU, on a pu maintenant utiliser ce qu'on appelle ou créer ce qu'on appelle le deep learning. Bien sûr, le parrain du deep learning, c'est le français Yann LeCun, lorsqu'il a créé le NetSense, le premier réseau profond pour la reconnaissance des visages, qu'il a créé en 1998. Maintenant, pour comprendre quelle est la différence réelle, la différence entre
machine, un apprentissage qu'on fait classiquement en machine learning qu'on faisait auparavant, d'ailleurs, un apprentissage classique, et l'apprentissage du deep learning. Bon, pour revenir en arrière, l'apprentissage, apprendre quelque chose à la machine, c'est quand on considère la machine comme étant un enfant, auquel on va lui apprendre des objets, par exemple. Donc, on lui présente les objets sous différentes formes, comme le stylo, par exemple. On lui présente le stylo rouge, le stylo vert, le stylo bleu. Demain, je vais lui donner un autre stylo de d'autres couleurs. Est-ce qu'il reconnaît que c'est le même objet ou pas, juste avec une couleur différente? C'est comme ça qu'on apprend à la machine. Donc, plus vous lui donnez, il ne faut pas lui donner trop, à lui apprendre tout. Il ne faut pas lui apprendre le moi. C'est-à-dire, je ne dois pas, supposons que le disponible pour nous, c'est 4, c'est 10 stylos. Le disponible de ces classes, 10. Il ne faut pas lui apprendre les 10. Il faut lui apprendre 5, le laisser avoir l'aspect de généralisation. Si on ne fait pas ainsi, l'enfant, si vous lui changez un petit bout du stylo, il ne va pas le reconnaître. C'est la même chose au niveau de la machine. Donc, il faut, en quelque sorte, travailler avec elle comme si c'était un enfant. Maintenant, la différence majeure entre l'apprentissage classique qu'on faisait en machine learning et l'apprentissage en utilisant le deep learning, les réseaux autrefois c'était des réseaux simples, il n'y avait pas trop de couches, c'était pas des réseaux denses. Voilà. Et on n'avait pas aussi au niveau des data, on n'avait pas des bases de données colossales comme aujourd'hui, la disponibilité avec Internet, etc. On n'avait pas assez de disponibles de bases de données. Donc on était obligé, l'être humain ou bien le chercheur ou bien l'enseignant qui va apprendre à cette machine quelque chose, il est obligé d'utiliser d'autres moyens pour extraire l'information pertinente de ces objets ou de ces objets auxquels il va faire l'apprentissage à la machine. Donc on ne présente pas l'objet tel qu'il est à la machine. On devra utiliser d'autres moyens pour extraire l'information pertinente. Par exemple ici, le véhicule, je vais extraire les dimensions, la couleur, la forme, etc. Je ne vais pas lui présenter l'image telle qu'elle est sous forme de pixels, mais je vais utiliser des filtres, comme le filtre de Rod, de Rar, AGP, etc. Et donc, le réseau, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va absorber, il va avoir en entrée que les informations pertinentes tirées ici. C'est, je vais rentrer en parenthèse, je vais dire par exemple, c'est le jus de l'information. On va juste extraire de tous ces datas-là le jus. Voilà. Concernant le deep learning, non, bon, ça a un avantage, ça a un inconvénient. Ici, concernant le deep learning, non, c'est un peu différent. Donc, je présente, je récolte toutes mes données, quel que soit l'état, quel que soit, je n'ai pas besoin de filtrage, d'amélioration. Je présente les données telles qu'elles sont au niveau de mon réseau. Le réseau est par contre très, très dense, donc il y a beaucoup de couches. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui va faire feature extraction, c'est-à-dire l'extraction des caractéristiques. Donc, il s'en charge d'extraire les caractéristiques par le biais du filtre qu'il a déjà et par la suite d'apprendre à son réseau à la fin les différentes caractéristiques de chaque objet. C'est un avantage ici, c'est un avantage, mais l'inconvénient ici, vous ne pouvez pas faire de l'apprentissage avec des data de taille limitée. Donc là, on a besoin de données colossales pour faire l'apprentissage. Autrefois ici, on n'utilisait pas beaucoup de données pour faire l'apprentissage parce qu'on extrait les informations pertinentes par d'autres moyens. Voilà, ça c'est la principale différence entre les deux. Bon, je vais terminer par quelques applications de l'IA. Les moteurs de recherche que nous sommes en train d'appliquer tout le temps. L'aide au diagnostic médical, voilà, on est en train maintenant d'utiliser des outils pour diagnostiquer les maladies. Le commerce électronique, les gens aussi par des systèmes de l'IA, les systèmes de surveillance des autoroutes, des maisons, etc. La détection des fraudes et le filtrage des spams, aussi géré par des applications. Les véhicules autonomes, maintenant on est vers l'ère d'utiliser un véhicule, on n'a même pas besoin d'utiliser le volant, donc le véhicule marche tout seul. Il peut aussi vous aider à conduire en détectant les obstacles, etc. Et l'analyse des marchés donc, financiers. Et bien sûr, la robotique qui est pratiquement un élément essentiel aussi. Je termine bien sûr par une conclusion. Ma conclusion, c'est que doit-on être méfiant ou confiant vers les machines intelligentes.
Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, en fait, si je me regarde, je regarde mes enfants et tout mon entourage, je vois que l'homme, il est en train de dépendre de plus en plus de la machine et donc il est en train de perdre d'importantes facultés intellectuelles. Par contre, la machine, elle fait l'inverse. La machine, elle ne cesse d'apprendre et de se perfectionner grâce aux données massives. Donc, réfléchissons, est-ce qu'on doit trop compter sur la machine, c'est mauvais, ne pas compter du tout, ça va nous coûter cher. Donc, il faut bien réfléchir comment on utilise la machine parce qu'elle est devenue vraiment un adversaire un petit peu gênant pour l'être humain. Voilà, je vous remercie pour votre. Merci. Merci beaucoup, Dr. Rochinet, pour cette conférence très intéressante parce que nous ne sommes pas du domaine, on entend parler de 2-3 mots sur l'intelligence artificielle sans savoir réellement sa base. Et donc c'est bon de savoir que l'être humain est en danger. Je ne sais pas, moi c'est ma conclusion, l'être humain est en danger, la machine prend de la place de plus en plus. Donc sans trop tarder et avant d'ouvrir le débat du public du Maana, on va passer au professeur Helassi qui va nous présenter également une conférence, en plus du témoignage de notre étudiant. Ensuite, on va essayer d'ouvrir le débat. Je rappelle encore une fois que les conférences sont suivies en simultané, donc sur la radio de l'Université de Guelma, et peuvent être ensuite regardées en streaming sur la Web TV de l'Université et sur toutes les pages YouTube de l'Université. Donc, vous êtes là, c'est à l'écran, il a pas de mort.